Pardon, la première chose qu'on perd, c'est déjà un volume de production, c'est-à-dire que d'une récolte moyenne à 90 tonnes, 80-90 tonnes, on peut descendre à 30 voire 40 tonnes, donc vous avez perdu 60 tonnes. 60 tonnes, la tonne, elle vaut, la tonne de betterave, elle vaut à peu près, elle peut valoir 40 euros, 6 fois 4, 24, 2400 euros. Et si vous regardez ce que ça laisse en termes de marge, vous êtes en marge négative parce qu'en fait, les 30 tonnes que vous avez produites ne vont pas couvrir vos charges. Donc en fait, c'est là le souci, c'est que vous allez perdre 500 euros par hectare sur une partie de la ferme. Pour les cultures sans néonicotinoïdes, NNI passe donc par la recherche, par le travail pour sélectionner des variétés qui soient résistantes à l'agression du puceron et surtout, non pas du puceron seul, mais du virus qui est apporté par le puceron sur la culture. Les pucerons, en fait, ça amène des virus sur le cerisier, le pêcher, le blé, l'orge et la betterave. Et dans certains cas, il y a des solutions. Pour la betterave, aujourd'hui, il n'y a plus de solution, soit ni en prévention, ni en curatif, avec un effet suffisant pour préserver la culture. En fait, on a un produit qui a été interdit par la Cour de justice européenne et qui aujourd'hui est a priori peut-être utilisé dans certains pays d'Europe. Voilà, je pense à des pays qui auraient déjà semé leurs betteraves, nous elles seront semées au mois de mars. Et puis il y a des produits auxquels on aurait accès, qui sont autorisés dans des pays d'Europe et que la loi française interdit, quoi, la loi de 2016. Donc à la fois, on ne comprend pas la brutalité de cette décision, et à la fois on ne comprend pas aussi que l'État français bloque l'accès à certaines molécules, quoi. On avait lancé un plan de recherche, donc il y avait une autorisation pour 3 ans de cet insecticide, les néonicotinoïdes, et il y avait aussi un plan de recherche qui avait été lancé. Donc on est à 2 ans, donc là, le temps de la recherche est un temps long. Donc on a 3 pistes qui sont identifiées, les plans de campagne, les produits de biocontrôle et aussi la génétique. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt sur ces trois méthodes. On devait lancer en 2023 une expérimentation un peu plus encadrée, et aujourd'hui on est pris de court. Donc nous, ce qu'on demande aussi, c'est un budget plus important pour pouvoir continuer cette recherche qui devra nous sortir, notamment de cette problématique de la jaunisse de la betterave.